Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Il faut regarder ici. J'ai vu une vidéo de Lady Cosette 974 tout à l'heure et ça m'a donné une idée, une inspiration pour faire notre vidéo d'aujourd'hui. Donc on va faire une vidéo dilemme. Donc on vous donne deux choix et vous devez choisir un des deux choix. Alors je vais commencer. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Acheter tous les habits que tu veux ou acheter toutes les nourritures que tu veux? Toutes les habits. Ok, moi ce sera toutes les nourritures, j'aime trop manger. Alors, ne plus pouvoir parler ou ne plus pouvoir lire? Ne plus pouvoir parler. Ça c'est parler. Ça c'est parce que comment tu préfères ne plus pouvoir? Comment je voudrais si je pouvais plus lire? Comment tu préfères parler? Toi, je sais. Moi, ce serait, je pense, parler aussi. Je préfère lire. Je m'en fous de ne pas parler. Alors, embrasser un crocodile ou embrasser un ours? Embrasser un crocodile. C'est pointu. Un ours. Toi, un ours aussi? Moi, je pense que je préférerais embrasser un ours aussi parce qu'imagine, je me rapproche du crocodile, il va ouvrir sa gueule. Il va manger la tête. Alors, ne plus manger dans un fast-food ou ne plus jamais regarder la télé? Ne plus manger dans un fast-food. On s'en fout des fast-food. Hein. Oui. Allez, on continue. Alors, être bloqué dans un ascenseur ou être bloqué dans un télésiège? Être bloqué dans un ascenseur. Toi, c'est télésiège. Fichu aussi, télésiège. Ouais, télésiège. C'est le truc en haut, très en haut, là où on est dedans. Et ça, moi je préfère l'ascenseur. Oula, elle est sexy. Moi je préfère l'ascenseur parce que j'ai peur de. L'ascenseur. Je préfère. L'ascenseur. Regarde. J'ai très peur de la hauteur. L'ascenseur. Oui. Tu préfères être Spider-Man ou être Batman? Batman. Toi, Batman? Toi? Spider-Man. Moi aussi. Spider-Man? Toi? Moi je sais pas, je m'en fous des deux. On va dire Spider-Man pour monter parce que Batman il a quoi comme pouvoir? Il a pas de pouvoir, mais il est beau. Il sait conduire la voiture. On te voit pas. Alors, toi c'est perdre tes conditions physiques ou perdre ta mémoire? Perdre ta mémoire. Mémoire aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que la mémoire est La dernière question, c'est la question qui tue, mais je ne vais pas encore le dire. Qu'est-ce que tu préfères? Vivre pendant 200 ans ou gagner 10 millions d'euros? Gagner des millions d'euros. Tout le monde, c'est pas... Moi aussi, je préfère gagner 10 millions d'euros. La prochaine question. Ben, j'ai déjà tout fait, hein? Non. Il reste... Les dons. Ah! C'est où les dons, là? Alors, perdre toutes les dents ou perdre tous les cheveux? Tous les cheveux. Qui dit cheveux? Moi. Vous avez tous peur de perdre vos dents? Oui. Pourquoi? Parce que c'est toujours un peu lié à la peau. L'évolution. Alors, la dernière question, non? Non. Si, c'est la dernière question maintenant. Alors, la dernière question, c'est... qu'est-ce que vous préférez? Non. C'est la question de Lady, ça, que j'ai pris parce que j'ai trouvé ça génial. Non. Plonger dans un vomi ou plonger dans du diarrhée? C'est quoi, diarrhée? Caca me parle, donc. Alors, vous préférez plonger dans du vomi ou plonger dans du diarrhée? Maintenant, j'ai déjà perdu tous mes cheveux. Donc, t'as perdu tes cheveux. Dans du vomi. Donc, je peux plonger dans le vomi. Et toi? Vomi. Les deux, ça pue, hein? Mais je préfère le vomi aussi. Voilà, c'était une petite vidéo dilemme. Là, je suis encore au conservatoire. Mais on vous livre quand même une petite vidéo. Je cache avec une feuille parce que je suis en train d'allaiter en même temps en dessous. On vous dit à la prochaine. Bisous la famille. Bye bye. Bye bye.